Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va continuer le cours des quadrilatères particuliers. Et dans cette séance, on va se concentrer sur le rectangle. Alors, on va commencer par une définition. La définition 1. Un rectangle est un quadrilatère qui a ses quatre angles droits. Regardons l'exemple. Ce quadrilatère ABCD possède quatre angles droits. La première angle A, la deuxième B, aussi C, et de même pour D. Donc, ce quadrilatère est un rectangle. On passe maintenant à une propriété. Propriété 1. Si un quadrilatère est un rectangle, alors c'est un parallélogramme. On va faire une petite démonstration de cette propriété. Regardons la figure. ABCD est un rectangle. Donc, il possède quatre angles droits, ce qui donne que l'angle du sommet B égale l'angle de sommet D. De même pour l'angle de sommet A égale l'angle de sommet C. Donc, on a cette démonstration. On a ABC égale CDA et DAC égale BCD. Donc, les angles opposés des rectangles ont la même mesure. Donc, le rectangle est un parallélogramme. Passons maintenant à une autre propriété. Propriété 2. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ses diagonales se coupent ont leur milieu et ont la même longueur. Regardons l'exemple. ABCD, un rectangle. Donc, les diagonales AC et BD ont la même longueur et ont aussi le même milieu. D'où IA égale IB égale IC égale ID. On passe maintenant à une autre propriété. Propriété 3. Si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Regardons l'exemple. A. On a ABCD, un parallélogramme. Et de plus, les diagonales AC et BD ont la même longueur. Donc, ABCD est un rectangle. Passons maintenant à une autre propriété, propriété 4. Si un parallélogramme possède un angle droit, alors c'est un rectangle. Cette propriété aussi nous aidant de reconnaître un parallélogramme. Alors, on va faire un exemple. Regardons la figure. On a ABCD, un quadrilatère, un parallélogramme qui possède l'angle droit dans le sommet B. Alors, on a ABCD, un parallélogramme, et de plus, ABC est égal à 90 degrés. Donc, d'après la propriété, ABCD est un rectangle.
Merci pour votre attention. J'espère que vous aimerez bien la vidéo et on se verra dans une autre séance pour continuer ce chapitre. À bientôt.